Samedi 19 mars 2022, j'ai acheté il y a quelque temps sur un vide maison ce banjoline ou banjo guitare qui dans les années 20-30 était fabriqué à des millions d'exemplaires, paraît-il, puisque un statisticien sur le web indique qu'il y avait 1,8 banjo de ce type par habitant en France. C'est dire s'il y a eu une production. Mais il y a tellement de conneries sur les forums consacrés à quelque sujet que ce soit que je doute de la véracité de cette affirmation. Alors, cet engin, j'ai commencé à le démonter. Bon, le manche était branlant. Hein. Le manche était branlant. Il ne tenait que par une vis, ici. Il en manque une deuxième. On voit la trace d'une rondelle. J'ai enlevé les quatre cordes qu'il y avait. J'ai retiré la caisse de résonance là avec la peau qui tient à l'intérieur de la caisse par quatre vis réglables ici. Quatre vis réglables qui vont directement sur le bois de la caisse, ici. Il y aura à recoller cette partie, un petit travail de marqueterie ici. Un petit travail de marqueterie ici. Une petite réparation de la peau qui présente une toute petite déchirure. Où est-elle cette déchirure? Elle est tellement minime que il est difficile de la voir. La retrouver, vous voyez, c'est ici, voilà. Une petite déchirure ici, hein. Je pense qu'un coup de super glue fera l'affaire. Il manque le chevalet, un chevalet pour 8 cordes, hein, 8 cordes, voilà. Et je vais commencer à nettoyer tout ça, qui est bien poussiéreux, voilà. Il y a au dos un superbe travail de marqueterie avec une scène de danseur lors d'un coucher de soleil. On voit ici le soleil, on voit les deux danseurs et il y a un petit travail de marqueterie à faire ici. Là, il faudra recoller le fond qui s'est décollé. Mais c'est pas très grave. C'est un très joli travail. Je pense que dans le faubourg Saint-Antoine, à l'époque, les ébénistes avaient du boulot à fabriquer des manches. Hein. Jolies manches, d'ailleurs. Des frettes. Alors, cet instrument a un marquage. On va faire la mise au point. France et PB, qui doit correspondre à Paul Boecher. Voilà, PB France. Un petit travail de restauration ici.
Alors, je n'ai pas trouvé chez Waldom de la feuille, mais j'ai trouvé des fonds de cagette ici, hein, qui ont parfaitement pour faire ce que je veux faire. Voilà. Très belle scène, hein. Très très belle scène, c'est très joli. Voilà, donc je vais me mettre au boulot, essayer de faire quelque chose. Il faut que je rachète 8 cordes, un chevalet 8 cordes, et puis un petit travail de collage et de restauration de la marqueterie, là. Voilà ce qui m'attend. Voilà, après ponçage, un petit coup de noir là-dessus, on y verra que du feu. Même chose de ce côté. Impeccable.